cette designer expose son point de vue sur les différentes étapes qui ont marqué cette période difficile de pandémie qui a touché le monde entier. Il parle de la solidarité, il parle de l'amour, il parle du futur. Il évoque également les dégâts psychologiques qui ont été causés par le confinement. Il donne une lueur d'espoir et nous sommes avec lui dans cette lueur d'espoir. Le design, c'est une attitude. C'est une attitude par rapport à des citoyens, par rapport à des problématiques. C'est arriver d'une certaine manière. J'utilise souvent ce terme de civique, de résoudre d'une manière civique des problématiques, c'est-à-dire respectueuse par rapport aux personnes à qui s'adresse le message, pour qu'on puisse vivre ensemble sereinement. Je le trouve tellement sublime et génial, vraiment fascinant, ce carnet de bord qui démontre divers scènes de vie pendant la pandémie. Il est à la fois un langage et un art qui n'est pas donné à tous. Ce sont des planches qui montrent notre vie pendant le confinement. Ici, on voit qu'on passe beaucoup de temps avec nos amis qu'avant, avec nos enfants. La déclaration d'amour s'est changée, ça se fait d'une autre manière.